Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection qui a lieu dans le cadre de la rétrospective Vincent Pérez. Mais avant de faire venir l'acteur Vincent Pérez, puisqu'il s'agit d'un film dans lequel il est acteur, j'ai le plaisir d'accueillir la réalisatrice du film, Karine Silla, dont c'est le premier long métrage, et vous connaissez depuis peut-être aussi parce qu'elle a écrit des livres, et qu'elle est scénariste également, et comédienne bien sûr. Avant encore d'être réalisatrice. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez nous. Alors, peut-être deux mots sur le film sans évidemment dévoiler trop, puisque le film va être vu par ses spectateurs. Et après, on reviendra sur le choix de l'acteur, enfin, d'un des acteurs. Ben voilà, c'est mon premier film. Je me souviens de... Bon, ça a été une bataille pour monter ce film. C'est le début d'une histoire que j'ai d'ailleurs poursuivie dans mes romans. Et puis il a une singularité dans ce film, c'est que j'ai trois membres de ma famille qui sont acteurs dans le film. J'espère qu'il vous plaira. C'est toujours très émouvant de se dire qu'un film peut continuer à vivre, parce que quand il sort et que on a mis tellement de travail, d'acharnement, de passion, d'obsession, quand on arrive à créer en fait une œuvre, c'est des années de gestation. Et donc quand il sort maintenant avec l'industrie du cinéma, avec les films qui passent comme ça, ils ont tellement peu de vie. Donc je demandais tout à l'heure, où est-ce qu'il s'était procuré la copie, parce que ce film n'a pas été fait en numérique, mais il a été fait en 35, donc en négatif. Et j'ai eu la chance, parce qu'en fait j'ai dû supplier beaucoup beaucoup de personnes pour pouvoir faire ce film. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des choses en participation. Et je pense que même le directeur de Kodak m'avait dit que c'était la première fois qu'il faisait une ristourne. Je crois que j'ai eu 80% de réduction sur la pellicule. Et j'avais dit à mes acteurs, c'est très simple, on a tant de rouleaux de pellicule, donc en fait, c'est une prise. Et on n'avait pas la possibilité de... Voilà. Et donc, je suis très attachée à ce film. J'espère qu'il vous plaira. On va voir une copie 35 mm donc dans quelques instants. Et c'est vrai que par rapport aux acteurs dont vous parlez, il y en a plusieurs qui sont des acteurs fameux, enfin très importants. Il y a Valeria Golino, Elsa Di Wellstein, Jalil Lesper, etc. Et Vincent Pérez. Alors avant qu'il arrive, pourquoi vous l'avez choisi? Bon, c'est peut-être une question un peu... Ouais, peut-être même difficile. Et Cécile de France, pardon, j'allais l'oublier. Mais en fait, la chose la plus difficile, c'est quand on travaille avec des gens qui sont et de notre famille, et en même temps, on essaye, quand on fait des œuvres, de prendre la meilleure personne pour le film. Donc moi, je suis peut-être de mon inconscient collectif, je suis d'origine sénégalaise, donc nous on a un sens de la famille et de la tribu extrêmement développé. Donc moi j'adore travailler en famille, j'adore travailler en tribu. Mais par contre, j'ai cette vigilance où je voulais vraiment que ce soit justifié. Et il se trouve que Vincent... est un artiste que j'admire passionnément et que c'était la personne. Je voyais pas en fait d'autres personnes. Il est toujours au cœur de tout ce que je fais, c'est-à-dire que je ne fais jamais ni un livre ni quoi que je fasse, en fait je crois que c'est ma muse. Voilà. Vincent Pérez, on va pouvoir l'accueillir s'il est bien... Oui, il s'est caché partout. Je cherchais derrière le rideau, mais non, il était déjà dans la salle. Il écoutait. Voilà, la muse de madame, et madame est probablement la muse de monsieur. Voilà, monsieur et madame Pérez, comme vous l'avez compris depuis un petit moment, pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors Vincent, c'est quand même pas tout à fait anodin,
même si vous avez donné de bonnes raisons liées à la tribu, mais c'est quand même pas tout à fait anodin, Vincent, de travailler avec son épouse et de faire un film et de s'engager dans un film dans lequel, ben voilà, évidemment, les rapports personnels peuvent influer sur le rapport professionnel. Oui, absolument. Ben, moi, j'étais vraiment un acteur, donc voilà, soumis au, je dirais, à l'autorité du réalisateur et de l'auteur. Donc, c'est vrai que c'était très agréable de pouvoir tourner avec mes filles, parce qu'il y a Roxane, ma belle-fille qui joue dans le film, qui fait une de mes filles, et puis il y a Iman aussi, donc qui fait la plus petite. Et on voit même Tess, à un moment donné, danser lors d'une soirée qui est là, Tess. Donc c'est un peu étrange, je dois dire que c'est vrai que les scènes que j'ai avec Iman, tout d'un coup, on transforme le rapport et ça devient un acteur. Enfin, voilà, donc à un moment donné, il y a des exigences, voilà, mais elles ont été très pro. Et c'était une très belle expérience dans la relation donc, qui s'inscrit dans le temps avec mes... C'est une sorte de repère aussi dans la relation que j'ai avec mes enfants. Donc le film est nourri de plein de choses proches de notre vécu, comme tout ce que fait Karine d'ailleurs, parce qu'en fait la vérité c'est ça, c'est que quand elle écrit un livre, que je vous conseille parce que ces livres sont vraiment magnifiques, le premier s'appelle « Monsieur est mort », et le deuxième s'appelle « Autour du soleil », là elle travaille sur le troisième, qui à mon avis va être quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est toujours des histoires de secrets, de famille enfouies, des relations père-enfant, mère-fille, enfin disons que c'est que des relations internes familiales, non c'est ça, enfin tu en parles mieux. Voilà, familial, et puis voilà, moi j'ai un sens de la famille élargie, il y a vraiment les amis que je pense que c'est les frères et sœurs qu'on choisit, et voilà, et puis c'est une façon aussi pour quelqu'un comme moi qui est assez pudique de pouvoir dans l'écriture et dans la création en fait exprimer des fois 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard des choses que j'ai pas su exprimer dans la parole. Alors que tu moi c'est ça qui m'a quand j'ai rencontré Karine, pour moi c'était une révolution quelqu'un qui avait une maîtrise de la parole qui moi m'impressionnait, que moi je n'avais pas, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit chez Karine quand on s'est rencontrés. J'écoutais toujours ses raisonnements d'une manière très comme quelqu'un qui a à apprendre justement à raisonner. Et donc depuis, ce que je trouve assez extraordinaire dans le parcours de Karine, c'est que toute son œuvre tourne autour de ça, autour de des choses qu'on communique ou qu'on ne communique pas. Non, il y a un peu de ça, non, entre les êtres, les secrets enfouis qui ressurgissent à un moment donné. Voilà. Et puis la musique, la danse. Non, donc son film ressemble beaucoup, en fait, à ses livres. Donc, elle n'avait pas encore écrit de livre. Est-ce que je veux dire, ce film est une sorte de prémisse de l'auteur qu'elle va devenir. Et qui devient aujourd'hui un auteur quand même très, très reconnu dans le monde littéraire en France et bientôt ailleurs aussi. Voilà. D'accord. En tout cas, merci vraiment d'être venu. Et merci à vous d'être là, d'être venu le présenter. Et puis, pour tout, je vous rappelle, même je pense que vous tous savez tous que tout à l'heure, on présentera alors le film. C'est les rôles s'inversent un petit peu. Là. Cette fois-ci, ce sera Vincent Pérez, réalisateur au Capitole pour la première de Lone in Berlin à Lausanne. A tout de suite. Merci. Et bonne projection. Merci à vous deux.